Bonjour, j'ai fait une vidéo pour parler d'adoration et puis bon, des esprits impurs. Ok? Donc, tout ce que je peux dire là, c'est si vous voulez des délivrances, une délivrance pour n'importe quel sujet, il faut l'écrire, écrivez mon nom, vous allez écouter des vidéos et Dieu va vous faire grâce. J'ai plein de vidéos où je parle de l'immoralité sexuelle, du péché, de l'adoration, du fétiche, de la réussite. Je parle de beaucoup de choses. Donc, écrivez mon nom, n'importe quel sujet. J'ai déjà fait des vidéos pour des délivrances. OK? Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sur rien. Jésus-Christ est Seigneur. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Satan, j'ai écrit ici, Satan pour tromper toute l'humanité, pour tromper les gens, Satan pour tromper toute l'humanité, pour tromper les gens, il agit, c'est comme ça il agit. Ok? Il y a un esprit impur qui se fait passer pour la personne décédée, surtout dans les funérailles africaines. Donc, je vais parler de funérailles africaines. Ok? Je vais parler comment on appelle ça, des attitudes que les gens emploient dans les funérailles. Comment ils se comportent envers une femme qui a son mari décédé. C'est de ça que je vais parler. Mais avant de commencer, je vais lire la parole et ensuite, je continue. Ok, Jésus-Christ ici, c'est Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Repentez-vous, quittez le péché. Bon, c'est dans Exode 20, on commence verset 1 jusqu'à, je pense, 17. Donc, pourquoi il y a des choses comme ça en Afrique? C'est à cause de l'adoration. Ok, beaucoup ne connaissent pas le vrai Dieu, donc ils sont dans les trucs traditionnels là. Des trucs traditionnels diaboliques. Ce message, lorsque je parle de la tradition africaine diabolique, je parle de l'adoration. Donc, les gens initiés dans la tradition satanique africaine, ils vont pas aimer ce message, ils vont haïr, alors qu'ils ont besoin d'une délivrance. Et puis souvent, quand je parle comme ça, là, ça dérange ceux qui sont initiés encore, qui sont encore sous l'emprise du diable, qui sont encore dans le fétichisme, qui adorent, qui respectent toutes les prescriptions du fétiche, qui est ancré dans la tradition africaine, que les autres respectent. Ces gens-là, ils n'aiment pas mes messages. Donc, ce n'est pas pour vous passer votre chemin. Donc, on est dans Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, donc je dis merci au Saint-Esprit pour ta parole qui nous libère, qui nous guérit, qui nous aide, qui nous fait du bien. Aide-nous à accepter cette parole avec joie, que cette parole puisse s'enraciner à jamais dans notre cœur, au nom puissant de Jésus, que cette parole puisse délivrer tout un chacun, tous ceux qui adorent d'autres dieux. Merci Saint-Esprit pour cette grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. Donc, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voici le problème de l'Afrique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voici le problème de l'Afrique qui est là, l'adoration. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut, dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Quand on parle de sirènes d'eau, des choses comme ça,
C'est de ça, on parle des esprits impurs. Moi, j'appelle ces choses-là esprits impurs, démons, Satan, diable. OK? Tu ne te prosterneras point devant elles. C'est le problème de l'Afrique qui est là. Si vous voyez que les Africains pleurent ici, par là, là, c'est l'adoration. Il n'y a pas d'autre problème. C'est l'adoration. Quel Dieu ils adorent, c'est ça là. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. OK? Qui punit l'iniquité. Il y a quelqu'un, je prie pour elle, et on me dit son problème est toujours là. Je me suis mise à genoux. J'ai demandé, Seigneur, c'est quoi? Son problème là, c'est ce que ses parents, c'est le problème d'adoration. OK? Donc, il y a des choses qui pèsent sur les gens. Parce que le jugement, la condamnation de Dieu n'a pas été encore annulée. Donc, ça agit sur leurs descendants. Ça agit sur les enfants. C'est ce problème-là que la personne a. Donc, on prie, on prie, on prie, on prie, et c'est toujours là. On prie, on prie, on prie, c'est toujours là. Donc, moi, je peux dire à quelqu'un, continue de prier, un jour, Dieu te fera grâce. Parce qu'au fait, le problème, ce n'est pas la personne, mais c'est sa génération, quoi. Donc, on attend. Il faut seulement continuer de prier un jour. Donc, c'est ce que la parole, c'est ici, là. Donc, il y a d'autres problèmes, là. C'est le problème de génération. Tu ne te prosterneras point. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la punition, le poids du péché de génération, là, ça pèse souvent sur les enfants. Donc, cette personne-là, le poids de l'adoration de ses arrière-parents, c'est en train de peser sur cette personne. Donc, on laisse le temps. Je ne sais pas, c'est qu'elle est à quelle génération, là. Donc, un jour, Dieu va faire grâce. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. De ceux qui me haïssent. C'est pour cela, avant d'aller rentrer dans la famille des gens, avant d'aller marier quelqu'un, là, il faut vérifier au fait. Il faut vérifier. Il y a des choses comme ça, là, c'est grave. Il y a des femmes qui rentrent dans le mariage, elles meurent. Mais ce n'est pas à cause du mari, mais il y a des choses qui sont derrière eux. Donc il y a tout ça là qui sont là, quoi. Les péchés. C'est pour cela on fait attention au fait. On fait très attention aux choix qu'on fait parce que ça va affecter notre génération, nos enfants, nos petits-enfants. Choisissez la vie pour que vous puissiez vivre vous et votre prosternité. OK? Donc, bref, je vais rentrer dans mon message. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta grâce. Bon, de quoi je parle? Je parle de la tradition diabolique africaine. De quelle tradition je parle? Lorsque quelqu'un meurt souvent. Lorsque quelqu'un meurt souvent en Afrique, les parents de la personne sont assis sur. Je vais vous parler un jour comme ça. J'avais une de mes tantes là. Son mari est décédé. Moi, je ne savais pas. J'ai l'habitude de rendre visite à ma tante. Donc, je suis allée. Et puis, à ma grande surprise, c'est le jour-là, ils étaient au funérailles. Moi, je ne savais pas, je l'ai sûrement rendu visite. Bon, son mari était décédé.
Et je voyais ma tante assise en train de pleurer, des choses comme ça. Je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mon mari est décédé. Donc j'étais là. Et puis les parents accusaient ma tante. Ça m'énervait, quoi. On l'accusait comme ça. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Pourquoi tu as fait ça? Ça m'énervait. J'ai commencé à parler. Donc pour ne pas que ça s'aggrave, là, j'ai quitté. C'est énervant. Quelqu'un qui vient de perdre son mari, vous êtes sur elle, en l'accusant, en la condamnant. Alors que le monsieur, quand il vivait là, ses jambes étaient en l'air. Tout ce qu'il raconte, tout ce qui bougeait là, lui, il frappait ça. Péché comme ça, là, les gens, ils voient pas. Hein. L'adoration qu'ils font, les gens voient pas. Quand quelqu'un meurt, on prend ça, on met sur la pauvre personne, en train de la juger, la critiquer. Il y a même les gens souvent en Afrique, quand ils entendent telle personne est décédée là, au lieu de prier, ils se lèvent comme ça, ils vont aux funérailles. Il y a une là, quand elle a entendu que ce dernier là est décédé, parce que ce dernier là sortait avec, c'est comme sa, qu'est-ce que je peux dire, sa soeur. Ce dernier là aussi, il a eu enfant avec une de ses soeurs. Donc la dame, lorsqu'elle a entendu que le monsieur est décédé, elle est allée aux funérailles. Elle est décédée là-bas aussi. Elle est décédée là-bas aussi. Funérailles du mari de ma tante. Elle aussi, elle est décédée. Donc, il y a des choses, quand tu entends là, il faut prier. Ce n'est pas dans tout funérailles on va. Donc, bref. Donc, vous voyez les accusations de ce genre-là. On ne cherche pas à savoir le péché de la personne, on l'accuse. Ils ont maltraité en parole, ça veut dire traumatisé, en train d'accuser, accuser, accuser. Moi, je ne suis pas allée au funérailles, j'ai allé foutre quoi là-bas. Je ne suis pas allée là-bas. Donc, voici les accusations. Alors que ils ne vont même pas en profondeur, même pour savoir des choses. Eux-mêmes, ils sont ignorants, hein. Donc, deuxième, il y a une personne aussi, je n'ai pas bien précisé. Elle aussi, elle va aux funérailles. J'ai dit à la personne là, enterrez cette personne là ici. Les gens, ils n'ont pas écouté. Ils écoutent la voix du défunt. Quand il vivait là, voici ce qu'il a dit, donc on doit obéir. Donc, cette personne là, leur tradition est que, leur tradition satanique, leur tradition diabolique là, c'est que si tu es marié là, lorsque le mari meurt là, la femme, ils vont mettre le cercueil quelque part dans une maison là, dans une chambre, et puis la femme et puis le monsieur, oui, le défunt et puis sa femme, les doivent rester dans la même chambre pour dormir là-bas. Ça, c'est leur tradition satanique. J'ai dit à la personne, tu as obéi à ça, elle dit oui. J'ai dit, toi, je ne sais pas. Heureusement que moi, je ne suis pas allée là-bas. Donc, c'est comme ça. Tradition satanique, tradition diabolique, là. Il ne faut pas obéir à ça. Par exemple, l'histoire de ma tante, là. Si c'était moi, là, comment j'allais réagir? J'allais laisser le cadavre du monsieur, là, dans leurs mains, et puis je pars chez moi. Je suis comme ça. J'allais leur laisser le cadavre, là. Et puis, ils ne vont même pas savoir que j'ai quitté. Je vais me lever comme ça, je vais marcher doucement et puis je suis partie comme ça. C'est comme ça, moi, j'agis. Je n'ai pas laissé les gens me maltraiter comme ça pour le péché. Quelqu'un a péché, il est décédé. Et bon, bref. Donc, je parle de cette tradition diabolique-là. Il y a aussi les esprits impurs, parce que quand quelqu'un meurt, là, j'ai parlé de la tradition africaine satanique. Donc, c'est ça que je suis en train de traiter. Quand quelqu'un meurt, là, souvent, on appelle ça un médiateur. Bon, si je. C'est quelqu'un qui interprète la révélation mensongère venant de cet esprit impur. Bon, je reprends. Un médiateur, si j'ai un médiateur, c'est comme un interprète.
C'est comme quelqu'un en qui un esprit impur rentre. Ils appellent ça esprit de mort. Quelqu'un en qui un esprit impur rentre et puis la personne en train de parler comme le défunt, comme la personne décédée, en disant qui l'a tué. Vous comprenez un peu, les Africains vont comprendre ce que je dis. C'est un médiateur. Quelqu'un qui interprète la révélation mensongère venant de cet esprit impur qui possède le corps d'une personne vivante. Ça veut dire une personne normale est là, il y a un esprit impur qui rentre en elle et cet esprit-là se prend comme le défunt. Cet esprit-là parle à travers une personne comme si c'est la personne qui est décédée là qui est en train de dit qui l'a tué. Lorsque tu étais vivant là, tu n'as pas cherché à montrer qui t'a tué. C'est pas le moment que tu es décédé là, c'est là que tu vas montrer qui t'a tué. C'est quelle puissance, c'est quel pouvoir tu as. Regardez comment Satan peut tromper les gens ignorants. Et tout ce que cet esprit impur là va dire là, tous les villageois, tous les Africains qui croient à ces choses sataniques, mensongères là, ils vont croire à toutes les paroles qui sortent de la bouche de cette personne qui est en train de témoigner, qui est en train de parler comme le décédé. Ils vont croire tout. Pourquoi cela se passe? Pourquoi ils font ça? Parce qu'au fait, ils adorent ces esprits impurs. C'est eux-là, ils adorent. Donc, on va relire ça et puis je finis. J'espère que vous avez tout compris ce que j'ai dit. Hein. Donc, je n'ai rien à ajouter au fait. Donc, on va reprendre la parole là, vous allez comprendre ce qui est écrit. Je vous ai tout dit. Donc, c'est dit ici, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Dieu parle de quel Dieu? Dieu parle des esprits impurs. Dieu parle du démon. Dieu parle de Satan. Satan veut la place que Dieu occupe. Il a toujours lutté pour avoir la première place de Dieu. Donc ces esprits impurs-là se comportent comme ils sont des dieux. Parce que tu n'es pas Dieu, comment tu vas venir dire qui a tué qui? Donc c'est de ces esprits impurs-là que je parle, les adorations d'eau, bois, les bois que les gens adorent, les images taillées, c'est au fait des esprits impurs qui se prennent comme des dieux. Et ce sont ces esprits impurs là qui prennent la voix du défunt, qui se transforme, qui se comporte comme le défunt, comme celui qui est décédé, là, ils sont en train de parler. Et tous ceux qui les Africains, là, il y en a, parce qu'il y en a qui sont sauvés, ils ne croient plus à ça. Il y a beaucoup qui croient à ces mensonges comme ça. Donc, c'est au fait une adoration qui est là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sous la terre et qui sont dans les eaux. Qu'est-ce que sont ces choses qui sont en haut sous la terre, en bas dans les eaux? Ce sont les esprits impurs, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ok, je m'arrête là. Ok, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point punir celui qui
prendra son nom en vain. OK? Donnez le respect au nom de Dieu, Christ. Quand vous prononcez le nom de Dieu, c'est pour l'appeler, c'est pour dire au secours. On ne prend pas le nom de Dieu pour jouer avec. Donc, je m'arrête là. Vous avez compris? Donc, que Dieu vous bénisse. Il y a des choses là. Quand on te dérange, tu es marié, ton mari, il a péché, il est mort là. Il est mort. Et puis, il y a des parents qui veulent, tu veux se lever et puis faire de n'importe quoi là. Pourquoi tu vas rester là et puis ils vont te torturer même? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tu vas accepter? Si tu acceptes ce qu'ils te disent, c'est que toi, tu te soumets à la loi, aux lois de la tradition. Ça veut dire toi aussi, tu respectes la tradition satanique. Pourquoi tu vas rester là? Celle que j'ai dit, oui, quand on lui a dit de rester dans la chose, elle a accepté avec le mort là. C'est parce qu'elle respecte. Il y a des choses là, on ne respecte pas. Il y a des choses, quand on te dit fais ça, tu dis non. Je ne me soumets pas à ça. Je ne me soumets pas à cette tradition satanique, à cette tradition diabolique là. Moi, je ne me soumets pas à ça. Je n'ai pas ma soeur comme ça, ils vont m'accuser. Non. Je me lève, tu ne fais pas par là, tu te lèves tranquillement, tu quittes. Tu quittes ce peuple là. Tu quittes leur village, le lieu où tu es, et puis ils sont en train de te condamner là. Tu te lèves tranquillement, tu quittes là. C'est comme ça, ça y est. C'est pas Dieu qui est en train de te maltraiter comme ça. Ce sont des ignorants. Ce sont des pécheurs. Donc c'est un peu ça.